Eh bien le bonsoir. Qu'est-ce que c'est cette musique? Je suis en train d'écouter la musique parce que je la reconnais pas, les gars. C'était vraiment une genre d'interlude. Comment ça va, monsieur docteur Nintendo? Est-ce que vous avez la forme? J'aimerais savoir si vous avez la forme, monsieur docteur Nintendo. Alors, j'avais un petit truc à faire avant un instant. Hop, ça c'est fait. Hop. Oui. Attention. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Il fallait que je recherche quelques items de la boutique tout de même. Parce qu'il faut pas trop déconner non plus. Voilà. Parfait. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Très bien. Alors comment ça va? Je vais bien, il me dit Dr. Nintendo. Wham, des fois c'est mieux quand tu l'ouvres pas pour chanter. Tu viens de massacrer Mario 64. Merci bien, Docteur Nintendo, ça me fait plaisir. I-A-U. Je viens de dire ton deuxième message. Et bien le bonjour, Docteur Nintendo. Allez, c'est parti, on retourne sur Super Mario Sunshine en HD. Et ça fait plaisir. On va pas se faire l'intro, hein. On va y aller direct, on n'a pas de temps à perdre. Nous avons des jeux à faire. 39 soleils, bah ça fait plaisir 39 soleils. On va le prendre où le prochain? Je sais pas où on va le prendre le prochain, mais on va le prendre en tout cas. Et comment va notre mère, notre pro de WAM? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je ne sais plus par contre où est-ce qu'on peut aller. J'ai des doutes. Je savais pas qu'on pouvait faire ça là en pas latéral comme ça. C'est un bug ou quoi? Dis Wam, tu finis le live par une visite de l'île? Oui, c'est possible. Si tu restes jusqu'à la fin, Docteur Nintendo, je te ferai une visite de l'île. Sans problème. Mais si tu restes du début jusqu'à la fin, et je ferai des tests, et je dirai, Docteur Nintendo, est-ce que tu es là? Et si tu ne réponds pas dans les 30 secondes, il n'y aura pas de visite de l'île. Il faut mériter. Il faut mériter la visite de l'île, monsieur docteur Nintendo. Mais franchement, Madame Wham a même eu le temps de faire une déco pour Halloween. Autant vous dire que
elle était plus motivée de faire une déco d'Halloween que de moi faire un Halloween horror show. Je te répondrai par ma EOAM. Ouais, ça marche, je prends note, Docteur Nintendo. Je prends note. Alors où est-ce qu'on peut aller? On peut aller chercher Yoshi, certainement. On peut aller chercher Yoshi. Alors, c'est où? Par là. C'était où le Port Rico, les gars? Je me souviens plus. Non, ça, c'est la plage. On peut déjà aller en faire un ici. Bonsoir, chef Puma! Est-ce qu'il est bien rentré chez lui, le chef Puma? Anti-Mario à la plage, ça va me plaire, les gars. Ça. Comme premier soleil à récupérer, ça va me plaire. Oh non! Chef Puma est là! Bon. Allons embêter l'anti-Mario. Oui, d'accord, lui, il est chaud, lui. Il est chaud, l'anti-Mario, là. Ah, il est chaud, cet enfaros. Et moi aussi, je suis chaud. Ah, mais il est sérieux, là. Il m'a fait des wall jumps dans tous les sens. Et hey, pour redescendre en plus. Il est où ce con? Il est où ce con? Il est là. Je l'ai trouvé. Viens là en force. Faut que je t'arrose les fesses. Dépêche-toi. Oh mais il va vite celui-là. Il rigole pas lui. Mais il va vite ce con là. Allez, allez! Oui, professionnel gaming! Professionnel! Professionnel! Professionnel gaming! Moi aussi, je suis chaud, il a dit, Docteur Nintendo. Eh oui, les gars, quand on est chaud, on est chaud. Et il nous reste plus que 30 soleils. Pour atteindre la fin. D'ailleurs, est-ce que le truc que tu as sur le dos est une machine femelle? Oui, peut-être. Elle s'appelle Jet. Est-ce que, Docteur Nintendo, tu peux dire à Chef Puma ce qui pourrait se produire à la fin du live si tu remplis les conditions? Si tu remplis les conditions, il peut se passer quelque chose. Est-ce que tu peux prévenir Chef Puma? Alors, allons-y. Prochain soleil ici. Alors, on a droit à quoi? La fête des pastèques. Très bien. Je pense me souvenir ce que c'était, oui. Faut ramener la pastèque au bar. C'est la course des pastèques, je crois, là même. Allons-y, les gars! En fait, ça va super vite quand tu te déplaces comme ça sur le ventre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller discuter sur les pilotis. Oh putain, mais sans déconner, y'a que moi pour faire ça, les gars. Je vous fais du professionnel gaming, y'a pas 5 minutes, et je tombe d'un pont qui fait 4 mètres de large. Alors, je veux utiliser la plus grosse pastèque pour mes cocktails. On portera un toast à nos soleils, en reconnaissance de tout ce qu'ils font pour nous. Bon. On va ramener une pastèque, en gros. Il faut que tu fasses rouler ta pastèque sur le ponton jusqu'au bar. Allez, courage. Je peux rien faire de ces pastèques, là?
Faut que j'aille chercher une pastèque, je crois. Ah, ben là, il y en a une ici. Non, mais il est sérieux, lui. Oh là 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 là, c'est ressorti de l'autre côté, là. Non, mais ils m'emmerdent, là. Ils sont en train de m'emmerder. Hein. Je pense que ça va rager. Oh là là, ils vont me rendre fou. Oh putain, elle est cassée, la pastèque. Elle regonfle de toute façon, là-bas. Je réponds en retard, mais oui, je suis bien rentré. Surtout après un examen qui s'est trop bien passé. Je n'en doutais pas de toi, mon cher chef Puma. L'excellence des Whammer. L'excellence scolaire des Whammer. Je précise. L'excellence scolaire des Whammer. Lorsque tu seras président de la République, mon cher chef Puma, j'espère que tu nommeras le WAM dans ton gouvernement comme ministre des jeux vidéo. Ça me ferait plaisir. Oh là là, oh là là, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. C'est le bordel. C'est le bordel, les gars, c'est le bordel. Oh là là, c'est le bordel, on va mourir. Oh là 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 là, sans déconner. Y'a que moi pour mourir ici, sérieux. Ah, parce qu'en plus, ils me remettent là. Il aura pas le temps d'être président. Je serai déjà dictateur mondial du... Sans déconner. Avec le docteur Nintendo, on risque... Ah ben, je l'ai mérité celui-là, Doc. Celui-là, je l'ai mérité. Et heureusement, heureusement, je dis bien heureusement, heureusement, secours! Oh, il explose sans déconner. Putain, non, mais comment tu fais là? C'est pas possible. On va se rendre fou là. Alors, le mieux, c'est peut-être de longer par la droite. Je vais longer par la droite. Je vais m'échapper ici. Ils viennent pas dans l'eau, ces couillons. Ils viennent pas dans l'eau, ces couillons. Mais quoi, elle explose ? Comment ça, elle explose ? Non, mais sans déconner. On pourra faire le... Oui, tout à fait. Hein. Il va y avoir un Wham Smash Comité qui est prévu tout à fait. Tout à fait avec le retour de Monsieur Chef Puma. Là, c'est, si jamais il décide de remettre en jeu sa ceinture. Hein. Putain, non, mais sans déconner, on n'y arrivera pas. Ça fait quoi si je leur lance de l'eau à eux? Ah, mais je peux leur lancer de l'eau! Oh, mais c'est tout de suite plus simple si je peux tous les tuer. Ah, je peux juste les assommer, en fait.
pour être tranquille, donc on va faire ça. Ah mais en fait c'est tout con. C'est tout con en fait. Oh là là. Alors là, faut pas se tromper là. Faut pas se tromper là. Oh là là là, faut pas se tromper. On va y aller petit à petit, les gars. Je compte pas me lancer dans la politique. La chimie me suffit amplement. Mais quand tu auras ton prix Nobel de chimie, mon cher chef Puma, quand tu auras ton prix Nobel de chimie, il faudra nommer une potion le WAM. Quand tu créeras ton premier antidote, tu l'appelleras le WAM pour me faire plaisir. Et j'espère que tu signeras des contrats de millions d'euros. Quoi ? Je me suis cassé le cul à la ramener. Non, désolé, ta pastèque est trop petite pour gagner. Mais putain, je vais devoir choisir parmi ces trois-là. Mais ils sont sérieux ? Il faut que je ramène une plus grosse pastèque. Oh putain de merde. Oh mais quelle arnaque. Alors attendez, là, à mon avis, la pastèque, elle doit être bien bien loin. Ça doit être une pastèque qui casse les couilles. C'est sûr. Il n'y avait pas tout à l'heure ce truc. Il n'y avait pas ce truc là tout à l'heure. Elle doit être loin la pastèque, c'est sûr. Oh putain, elle est ici. Vous savez quoi si je la jette là, comme ça, cache? Est-ce qu'elle explose? Elle n'explose pas. Ok, on va se faire le troisième. Depuis quand il y a des palmiers qui poussent là? Je comprends plus rien. Chef Puma, je veux un produit pour augmenter la taille du 1 pour du 50, pour de 50 cm. Tu l'appelleras WAM. Bon, allons-y. Oh putain, non mais ça s'arrêtera jamais. Ça arrêtera jamais, bordel. Je crois qu'il faut passer par là, en fait, hein, parce qu'il n'y en a que deux. Je crois qu'il faut passer par là. On va pas s'emmerder. On va passer par là. Non ! Au secours ! Au secours ! Ça va être l'horreur. Pas mal l'idée des escaliers en tout cas. Déjà finir mes études avant le prix Nobel. Ça se trouve, je t'aurais oublié, WAM, d'ici là. Ah ben c'est pas bien gentil. Oh, quand le bug. Oh, mais sans déconner. Mais j'en prends dans tous les sens, là. Bordel.
Oh, la pété, sans déconner. Oh, mais c'est abusé, quoi. Oh, je suis en train de me faire violer. Je suis en train de me faire violer, bordel de merde. Je suis en train de me faire violer. Au fait, Wam, tu as eu besoin du site Vite ton prénom ? Non, et je m'en rappelle plus. Pourquoi ? C'est quoi ça, Vite ton prénom ? Oh, ça c'est très très bon ça. Oh, ça c'est très très bon. Oh, ça c'est très très bon. Ensuite. Oh putain. Alors je vais repérer des pièces quelque part là. Non mais t'es sérieux ? Elles sont où les pièces ? J'avais repéré des pièces, bordel ! Tu sais, Zemmour veut une France où tous les prénoms sont tirés du calendrier. Et du coup, quand tu vas sur ce site, ça fait quoi? Allez chercher la pièce, les gars. C'est bon, est-ce que ça m'a mis full vie? Moi, mon nouveau prénom, c'est Basile. Est-ce que vous voulez que je vois en direct quel est mon prénom? Ça te donne un prénom du calendrier le plus proche de celui que tu as actuellement. Basile. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, attends, parce que je suis obligé de tout mettre en pause là pour aller sur le site. Ah, attendez, je vais le faire en direct. Alors... Je ne préfère même pas vous dire le prénom que j'ai eu. Je préfère même pas vous dire, les gars. C'est un véritable drame. Ma pastèque, elle est plus là ? On était sûr. J'en étais sûr qu'elle allait disparaître, ma pastèque. C'est chronométré. Saloperie. Ah, c'est chronométré, cette connerie. Non, je peux pas vous dire, ça craint. Je peux pas vous dire. Oh putain, sans déconner. Oh, ça va être une galère. Oh putain, ça va être une galère, les gars.
est-ce un prénom de fille? Oui. Il a compris, chef Puma, direct. C'est pour ça. Oh non, j'ai raté mon truc. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre, les gars. Bordel de merde. Bernadette, il a dit, docteur Nintendo. Oui, un prénom qui commence par un M. Fail. Eh hey, les gars, on n'est pas sortis de la merde. Hein. On n'est pas sortis de la merde avec celle-là, mais... Par principe, on doit y arriver. Par principe. Effectivement, c'est Martine. Je sais pas pourquoi il m'a mis Martine. Aïe. Bon, on n'a pas eu de game over, là. À chaque fois, il me ressort du truc, là. Il rigole. Basile, c'est pas mal, Basile, non plus. Hein. Oh là là, il m'énerve. J'ai envie de longer par ici. Mais le problème, c'est qu'il y en a partout, bordel de merde. Mais Basile, c'est déjà le nom de mon petit frère aussi. Dorénavant, je t'appellerai Martine. Mais non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ok, on va passer par ici. Ah, mais c'est l'horreur. Mais c'est l'horreur, putain! Mais qui a créé ce niveau, bordel? Ouah, Martine. Ricky Martin, pourquoi pas, c'est pas mal ça. Oh là, je suis pas mal. Oh là, je suis bien là. Oh, c'est un magnifique lancé. Oh, attendez, c'était un magnifique lancé. Je vais tous les endormir là à côté. Oh, je suis pas mal là. Oh, je suis pas mal, les gars. Oh, je suis pas mal. Je pense qu'on a réussi. Oh, les gars. C'est pas mal. Parce que c'est quand même un niveau assez galère, ça. Je me souviens même avoir galéré en 2017 ou 2018 quand je l'ai fait. Hein. Ouh là là. Ne pas taper trop fort ici. Ouh là là, on va lui ramener la plus grosse pastèque qu'il n'a jamais vue. On y va doucement. Oh là là. Oh, c'est la plus grosse pastécasse que j'ai jamais vue, bordel de merde. Je n'ai même pas besoin de sortir mon maître pour te départager des autres. Magnifique, elle passe au broyeur, les gars. Add commande, Martine, bienvenue.
Non, mais tu vas pas faire une commande pour ça, chef Puma, quand même. Là, il y a... Bienvenue sur la chaîne de Martine, alias Wamartine. N'hésitez pas à lâcher votre gros like et follow. Non, il a osé. Il a osé faire ça. Et après, Docteur Nintendo, il y va aussi. Oh non. Eh les gars, vous abusez. Alors, on y va, on l'a eu, parfait. Professionnel gaming. On est bon. Ah ouais, il est en fou rire. Ouais, ben bravo. Monsieur, vous êtes un piètre modérateur, monsieur chef Puma. Un piètre modérateur. J'aurais dû avoir... J'aurais dû avoir un prénom qui tue. Sans déconner. Mais elle serait utile, la commande, pour accueillir les nouveaux. Non, mais sans déconner. Alors, est-ce que tu sais ce qui va se passer à la fin du live? Si je demande, par exemple, Monsieur Docteur Nintendo, es-tu là? Es-tu là, Monsieur Docteur Nintendo? Alors, on va continuer. J'espère que la prochaine sera plus facile tout de même. Hein, parce qu'elle était compliquée, celle-là. Hein. La fête des pastèques. Ah ben ça y est, c'est fini. Je les ai tous tués en fait. Pam pam de ma... Eh bien... Docteur Nintendo va te dire ce qui va se passer. Si jamais... Il... réussit un défi. Il va t'expliquer. Si je réponds présent quand il le demande, petit tour de l'île de Madame Wam. Si jamais je réponds présent quand il le demande. Oh, sympathique, moyen qu'on rejoigne. Oui, pourquoi pas. Comme ça, vous pourrez visiter de vous-même. Aucun problème. Comme ça, c'est vous qui me direz ce qui vous plaît ou pas. Alors ici, on a tout fait. Ça y est, on a full heal. On a full heal la plage. Parfait. Et bien du coup, on va pouvoir retourner au Port Rico. Parce qu'on n'avait pas pu tout faire au Port Rico. Et le Port Rico, il était où? Il était là, le Port Rico, je crois. Oh, mais sans déconner, je suis tombé. Le théâtre sur mon île commence à être bien abandonné. Insatiable Yoshi, ben c'était la 8e en fait, la 8e et dernière du Port Rico. Parfait. Le théâtre du One World aussi. Ah non, on l'a utilisé, le théâtre du One World. On l'a très bien utilisé pour le moment. Entre un concert de Chef Puma... Entre un concert de Chef Puma et l'attentat de l'entité Zola,
Moi, je trouve que c'était plutôt sympa. Ah oui, il va falloir en faire d'autres. Mon cher chef Puma. Bien sûr. Ah, il est là, l'œuf de Yoshi. Magnifique. Donc, il faut lui ramener un cactus. Enfin, un cactus, je ne sais guère. Alors, comment je vais faire pour monter là-haut? Comment je vais faire pour monter là-haut? Comment je vais faire pour monter là-haut? Par là? Peut-être par là? Ok. Et ensuite, ici. Très bien. Parfait, ça marche. Attendez, attendez. Il faudrait jeter de l'eau, peut-être. Faut jeter de l'eau, peut-être, sur la vanne, là, non? Non, ça fait rien du tout. Problème d'acteur, on va dire. Ah mais non, faut faire l'autre d'abord. Mon dieu, en ce moment, j'ai fait des fautes dans mes phrases. Oui, mais la base, une pièce de théâtre, devait s'y tenir. Oui, tout à fait. Je l'attends toujours. D'ailleurs, c'est la pièce... C'est la... Vous parlez de la pièce de théâtre qui devait avoir lieu sur... Sur Minecraft ou sur... Sur Minecraft ou sur Animal Crossing? Non, ok. Enfin, il va falloir faire que des allers-retours, en fait. C'est bon. J'ai trouvé mon cactus. Alors, comment je... Alors, il est ici. Est-ce que je peux le porter? On ne peut pas le porter. Comment ça marche? Vraiment, je peux le porter, non? Il faut que je joue au foot avec. Oh là là. Putain, non, mais sans déconner. En plus, il disparaît, ce con. Je peux même pas le porter. Il sera jamais sur Animal Crossing. Si elle doit avoir lieu, ce sera sur Minecraft. C'est bien ce qui me semblait. Bon, on recommence. Alors, qui est premier en fait? Je suis premier de ma propre chaîne? Comment est-ce possible? Docteur Nintendo, 31 heures tout de même. Hein? Chef Puma, 30 heures. Bravo à toi. Alors, on va faire ça. Bon. Oh, faut que je recharge de l'eau après. Oh,
Oh là là, bon, on va faire ça pendant tout le jeu là, sans déconner. Allez, c'est pas bon, un ananas. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Non ! Au secours ! Oh putain, il est tombé par terre, c'est l'horreur. Mais quelle idée d'avoir fait un truc comme ça ! Bon, je vais aller recharger de l'eau tant qu'à faire. Hein. C'est bizarre, j'ai l'impression que les emotes du gamble ils changent à chaque fois. Trop bizarre. C'est trop bizarre. Je ne comprends pas. On n'aurait pas perdu Monsieur Chef Puma au gamble? Bon, comment je fais pour monter? C'est le moyen le plus court, ça, c'est sûr. Non, mais ça va être l'horreur de lui donner ce... Quoique si j'utilise celle-là, non, ça va être encore plus compliqué. Oh là là, putain. Non ! Mais pourquoi j'ai fait un plongeon, couillon ? Sans déconner ! Je crois qu'il y a un chemin plus rapide, je crois. Ici. Ouais, c'était ici. Je peux sauter comme ça directement dessus, je crois. Voilà. Moi, perdu. On me l'avait pas faite depuis longtemps. Ah, du coup, t'as fini Squid Game, Wham? Oui, tout à fait. Bon, un petit peu quand même déçu sur la fin. Pour moi, la série commence très très bien. Mais après, sur la fin, franchement, je trouve qu'il y a certaines décisions qui sont un peu moyennes, on va dire. Mais franchement, pour une série coréenne, c'est plutôt pas mal. Hein. Putain, ça va être le dernier fruit, sans déconner. On dirait qu'ils font exprès pour m'emmerder. Je veux un putain de cactus. Et en plus, là, il m'a rien donné. Franchement. Mais pourquoi il donne plus rien? Mais putain! Mais il tombe tout seul du mauvais côté! Oh, est-ce que je peux le lancer direct? Est-ce qu'il est monté? Il est pas monté? Oh, c'est pire, il est tombé dans l'eau. Une catastrophe. Est-ce qu'il y a une fontaine ici, là, pour que je puisse remplir ma... Que je puisse remplir ma gourde? Ah, ben Nolan m'a dit justement que la fin était folle. Après, chacun ses goûts, hein. Chacun ses goûts, chacun... Les goûts et les couleurs, comme on dit, hein. Chacun ses goûts, mais après... Chacun son opinion, mais après, moi, je trouve quand même que sur la fin, c'est... Bon, on va rester combien de temps sur ce putain de fruit? Vous avez vu l'acteur qui a tué une femme sur le tournage d'un film car son arme n'était pas chargée à blanc? Oui, mais c'est Alec Baldwin, hein, c'est un grand acteur, hein. Ouais, un grand acteur, un grand acteur des années 90-2000, quoi. C'est toute une famille, les Baldwin, hein, comme acteur, hein. Je crois qu'il y a le réalisateur aussi qui s'est pris une balle, hein. Il est entre la vie et la mort, là, hein. Oh, mais putain, sans déconner. Alors, je sais pas, c'est random ou pas,
Parce que franchement, cette étoile pour le speedrun, j'accepte pas. Faut vraiment qu'elle arrive du premier coup. Attendez, je vais lancer d'un coup. On va voir. Professionnel ! Professionnel ! Professionnel ! Professionnel gaming ! Par contre, je fais quoi après ? Insatiable Yoshi. Je pense qu'il faut le faire manger maintenant. Ah, il mange pas des poissons, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mec qui s'occupe. Oh, on a failli avoir les trois serpents. Professionnel, professionnel, professionnel Martine. Le mec qui s'occupe des effets spéciaux va faire un tour en tôle, je pense. Ah ben là. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Il y avait de l'eau juste ici en fait. Le Martin restera à Wham à cause de vous. Il faut que je lui fasse manger un sucre ou quoi? Non! 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 J'ai bien fait de te parler de vite mon prénom. Wham, il est à quelle heure le live Minecraft demain? Je pense qu'il sera vers 22h. 22h, 22h30. C'est pour ça que je veux le faire le samedi aussi. Ça me permet de le faire un petit peu plus tard. Comme ça, s'il y en a qui veulent faire quelque chose dans la soirée, c'est bien. Puis le dimanche matin, t'es moins le vendredi soir, j'étais crevé, en fait, pour vraiment suivre tout ce qui se disait. C'était assez complexe. Alors, je pense qu'il faut lui en faire bouffer 3, là. La totalité. Jusqu'à ce que ça marche plus. Très bien. Ensuite, je pense que c'est ça les gars, parce que insatiable Yoshi, ça veut certainement dire qu'il faut le faire bouffer à foison. Ok, c'est 3, le max. Et Yoshi, il a disparu ce con. Mais putain, il s'est remis en œuf ce con. J'ai galéré. Putain, mais sans déconner. Oh, je suis pas content, là. Je suis pas content, là. Faut que je recommence tout, bordel. Faut que je recommence tout, bordel de merde. Saloperie. Oh putain! Oh là 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 là, mais c'est pas possible! Tu feras une annonce si à un moment la map passe en Realm? Je pense qu'on pourrait peut-être faire un essai. Hein. On pourrait peut-être faire un essai. Mais si je fais une annonce, clairement. Le problème du Realm, c'est que si on le garde, on va construire dessus. Et si un jour on arrête, c'est ça qui me fait peur. Hein. Si je passe en Realm ma map,
l'original restera la vraie map. Hein. Et ça, le problème, c'est que je pourrais pas l'enregistrer sur ma console, je crois. Hein. Il faudrait qu'on se renseigne, les gars. Il faudrait qu'on sache si on peut sauvegarder la map du Realm sur notre console. Moi, j'aimerais bien savoir. Saloperie, non mais franchement, qu'est-ce que j'ai merdé là. Bon, on va essayer de le faire en un coup. En un coup, les gars. Professional Gaming. Bon, insatiable Yoshi, ça veut dire quoi maintenant? Ils sont où les fruits là? Oh, une pièce bleue pour ça, ça fait plaisir. Docteur Nintendo, est-ce que tu es là? Docteur Nintendo? Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bordel de merde? Est-ce que j'avais vu des fruits quelque part? Apparemment, dans le menu de gestion du Realm, il y a un moyen de télécharger la map. Bah, télécharger, oui. Aucun problème, la télécharger. Mais l'enregistrer sur un serveur privé pour l'utiliser sans le Realm. C'est ça que j'aimerais savoir. Mais qu'est-ce qu'il faut lui faire bouffer à ce Yoshi, bordel de merde? Je suis en train de m'énerver là. Oh, l'arrivée de Oh Sentenza. Sentenza pour la vie. Sentenza. Alors, bienvenue à toi, Sentenza. Est-ce qu'il peut nous parler de Squid Game, Sentenza, qui est le professionnel attitré? Bienvenue sur la chaîne Twitch de Martin. Non, mais il va falloir enlever ce truc, chef Puma. Je suis désolé, ça peut induire en erreur pour un... pour un modérateur, c'est moyen ce que t'as fait. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît, je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir avec ce Yoshi. Je sais pas ce que je dois faire. Il va me répondre peut-être, lui. Tu peux me rendre un service? Il y a un interrupteur sur lequel je voudrais que tu sautes. On dirait qu'un morceau de fruit est coincé dans un tuyau. Ah, attends, c'est où? Non! Mais en plus, il disparaît au bout d'un certain temps! Mais qu'est-ce que c'est, cette arnaque? Ah, mais c'est la loose! Oh, mais c'est la loose totale! Ils le font exprès pour me casser les couilles. Il est où son tuyau à lui? Il est où son tuyau, bordel de merde? Un fruit coincé, mes couilles! Oh, je suis énervé! Eh ben, c'est ça! En la télécharger, tu pourras l'utiliser sur Realm. Ben, c'est ça! En la télécharger, tu pourras l'utiliser sans le Realm. D'accord. D'accord, je prends note.
Docteur Nintendo, est-ce que tu es là? J'ai pas tout vu du Squid Game, je suis allé à l'épisode 4. Ah, je suis déçu, monsieur Setenza. 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 Qui c'est qui a connu cette chanson? Setenza. Les gars, je suis pas content là. Ah, le jeu il s'est foutu de ma gueule depuis tout à l'heure, laisse tomber. L'horreur. Catastrophe. Il est où ce putain de fruit coincé? Putain, c'est les devinettes, ces putains de soleil. Pam pam de ma. Oh là là, il faut que j'attende qu'ils disparaissent. Je l'ai eu, mais il est tombé. Non, il est pas tombé. Parfait, en plein dessus. Bon, où je dois aller? Je sais pas ce qu'il faut faire, les gars. Je vais chercher. Attendez, parce que là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ouais, mais je m'ennuie plus qu'en regardant un... C'est quoi, ça? Wam, je m'ennuie plus qu'en regardant un quoi? C'est quoi ton dessin, là? J'ai dû ma possession critique quand je l'aurais vu. Ah oui, ça je l'attends, Setenza. Je l'attends, là, ta critique. Je l'attends, ta critique, monsieur Setenza. Avec grand plaisir. Dis-toi que je suis sur les starting blocks pour te lire, hein. Moi, j'ai expliqué que le début, j'aimais bien, mais j'ai trouvé la fin un peu bizarre. C'est pas une réaction normale. Voilà, je peux pas en dire plus, parce que je vais pas vous spoiler, mais c'est pas une réaction normale. Je suis désolé. Je m'ennuie plus qu'en regardant un caillou devant ta nullité. Et puis, ça m'énerve que les magasins ont pas de stock de PlayStation 5. Ah ouais, c'est compliqué ça, hein. C'est compliqué cette histoire de PlayStation 5. Alors, insatiable Yoshi. Insatiable, putain non mais franchement. Non mais là je donne ma langue au chat les gars. Pas envie de perdre le Yoshi, là tout est chronométré entre la pastèque et... Alors, version 3D All-Star. Insatiable Yoshi... D'accord, très bien. Constater un œuf de Yoshi. Ouais. Poussez-le ensuite jusqu'à l'œuf. Montez dessus. Allez au bout de la place où vous apercevez des poissons sauteurs. Au bout de la place où il y a des poissons. Crachez du nectar sur les poissons. Je ne vais pas en lire plus pour me spoiler. Ah, tu l'as vu, Dune? Ah, non, je ne l'ai toujours pas vu. Je crois. J'ai... Ah, c'est pour ça que tu disais j'ai Dune en ma possession. Oh là là, je suis allé le voir au cinéma dans les salles Dolby Atmos Dune. On a beaucoup aimé. Alors je crois que c'est là-bas qu'ils disent qu'ils... C'est là les poissons là, volants là. Faut jeter le nectar. Alors comment je fais pour y aller? Me dites pas que dans l'eau, je meurs. Hein. Ah, ça fait des plateformes! Me dis pas qu'elle disparaît à un moment donné. Hein. Font que monter ou quoi? Go, on y va! Putain, mais j'en étais sûr que j'allais le perdre dans l'eau, bordel de merde! Oh, c'est en train de me gonfler, les gars. Oh, c'est en train de me gonfler sévère. Oh, c'est en train de me gonfler sévère, là, les gars.
Oh, que je suis en train de m'énerver. Oh, que la moutarde, elle monte. La moutarde est en train de monter, les gars. La moutarde me monte au nez. Oh, je suis énervé, là. Et j'ai même pas réussi à voir la plateforme. Tu vas streamer Alan Wake? J'aimerais bien, oui. Mais je streamerai la version originale parce que j'ai la version originale et je ne compte pas racheter le jeu pour du 60 FPS. Voilà ma décision. En plus, apparemment, il n'a pas beaucoup évolué, mis à part le 60 FPS. Donc oui, je le ferai, mais en version originale. Tout à fait. Bon, les gars, souhaitez-moi bonne chance, là. J'en ai besoin. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, une poire, Saras. Une poire. Je veux un putain de cactus. Un putain de cactus, là. Oh, putain, des bananes. Mes couilles. Je vais avoir le syndrome de Gilles de la Tourette avec ce jeu. Putain, je vais devoir attendre maintenant. Gonflé sévère. C'est dégueulasse. On passe sur Animal Crossing? Ah non, pas du tout. Alors. Parce que Animal Crossing, je vais faire un petit tour de 10 minutes et... Ah ça y est, je l'ai eu. Alors, on va faire le lancer. Le lancer est très important. On est pas mal, c'est bon, parfait. Je pense que je dois aller sur la plateforme sur le côté, là. Je pense. Ah, mais pourquoi elle avance maintenant? C'était le violet qu'il fallait que je récupère. Comment ça se fait qu'elle avance? Tout à l'heure, elle avançait pas, non? Mais c'est de l'arnaque! En fait, c'est random, quoi. Attendez, attendez, je ne comprends rien, cette histoire de ces poissons. Prédire avec des points de chaîne. Wham gagne avant 22h combien? Ça me reste même pas 10 minutes, ça. Putain, j'ai pas vu la prédiction, bordel. J'ai pas vu la prédiction, les gars. Avant 22h combien? Non! Mais putain! Mais c'est ignoble! Il est ignoble, ce putain de jeu! Mais il est ignoble, ce putain de jeu, il est ignoble! Putain! 22h53! Putain, non, mais vous êtes sérieux? Oh! Mais putain, ta race maudite qui pue la mort de sa race de merde. Pardon, je suis désolé. Je tiens à m'excuser pour ce franc-parler. Pourquoi je crois en Wham si il a dit... Pourquoi je crois en Wham il a dit... Mais putain, mais pourquoi il tient pas dans l'eau le Yoshi de merde? C'est un Yoshi de merde, bordel. Une poire de merde. Putain. Yes, continue comme ça, je vais me faire du fric. Oh putain, et en plus, je peux plus en charger là. Il n'y a plus de fruits. Oh putain, mes couilles. C'est pas possible.
Mais pourquoi il tombe? Je peux même pas le porter en plus. La loose. La loose. C'est pas Martine qui sort, ils auraient dû m'appeler. Putain. Bordel de merde. Pourquoi je m'obstine avec cette putain de avec ce putain de soleil de merde? Sans déconner. C'est l'8e soleil du niveau et je m'obstine dessus. Grosse donation du soir. Un grand merci, truc Nintendo, mais pourquoi? Merci beaucoup. Allez, moi, Martine, il est content. Il a fait des sous, il va faire des sous grâce à moi, Dr. Nintendo. Merci, la grosse donation du soir. Un grand merci à toi, Dr. Nintendo. Alors, t'as été faire un tour au à la fististère. On dit la fistinière. Ok, il est arrivé. Il est arrivé, il est là. Un grand merci, Dr. Nintendo. Encore un grand merci à toi. Oh putain, j'ai raté, je suis dans la merde. Tu joues à la pétanque. Tu joues pas à Super Mario. Tu joues à la putain de pétanque. Sans déconner. Allez, allez. Mais non! Tu m'as fourni du baume au cœur, Dr. Nintendo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci, Dr. Nintendo. Oh putain, c'est ici. Oh putain, le 22h53, il est dead là. Oh putain, premier coup. Les dieux les dieux de la RNG sont avec nous. On va essayer de bien viser. Là, ça va être chaud. Hein. Et d'où il a tourné? Allez, vite. Ignoble. J'ai rien compris en plus. J'ai rien compris au sens des plateformes. Saloperie. Je suis très énervé, les gars. Heureusement qu'il y a eu un soutien de Dr. Nintendo, parce que là, j'aurais le moral à zéro. Parce que là, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Je suis très énervé, les gars. Je vous le dis, je suis très, très, très énervé. Ah ouais, plus qu'une minute, c'est mort. Avec cette putain de poire.
Oh, je suis... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez de... du live de... Est-ce que vous vous souvenez du live... Je me casse, les gars. Je me casse d'ici. Je me casse d'ici. Non, non, non. Je reviendrai, mais là, c'est plus possible. Là, le Yoshi, je n'en peux plus du Yoshi. Alors, la prédiction. À moi le pognon, il a dit, Docteur Nintendo. La prédiction était... WAM gagne avant 22h53. 1200 points de jouer. Ouais, mais t'as joué que 98. Donc, choisir la réponse. Donc, oui, de la part de Chef Puma. Sa cote était à 1,08. Mais Docteur Nintendo, il a joué que 98. Il avait joué quand même 1200. La cote est à 13. Il a gagné 13 fois 98. La réponse est non. Terminer la prédiction. Franchement. Ah, ben prédiction abandon, il a dit. Ah non, ben là. De toute façon, j'avais passé 22h53, les gars. Ah, on se casse ailleurs, les gars. Je vous le dis sincèrement. On va aller voir autre chose, là. Ouh, on va aller voir autre chose. On va aller voir autre chose. Il a gagné 1300 points, voir les détails. points pour Docteur Nintendo. Bravo à toi. Alors, la grande roue de la Discord, c'était quoi, ça? Ah, je suis... Ça m'a énervé, les gars. Elle tourne un peu vite, là, la roue, tout de même, non? Félicitations, Docteur Nintendo, tu pourras faire des beaux changements d'emote du genre le fail écrasé. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut que je monte sur la roue, je pense. C'est ici que ça se passait, non? Oh là, elle tourne un peu vite cette roue là. Alors qu'est-ce qu'il a à me dire lui? Devine pourquoi j'ai fait une donation de 23 balles. Je ne sais pas, Docteur Nintendo, car demain on est le 23 octobre. 23. Je sais pas. Franchement, je sais pas, Docteur Nintendo. Ok, personne peut monter sur la grande roue. Comme tu peux le voir, elle tourne sans s'arrêter. Il va falloir repasser plus tard. Alors, au fait, le concours sur à combien t'as de jeux chez toi est terminé? On peut encore donner des estimations. Il y aura la réponse en live et en direct. Hein. Ça veut dire que je vais compter le prix des jeux un par un en live. Comme ça, vous pourrez faire un point de vue sur ma collection. Il y aura des jeux forcément que vous ne connaissez pas. Il y aura des jeux de ma collection que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir dans ce live.
vous pourrez me proposer des jeux en live qui pourraient vous plaire. Donc je pense que ça peut être cool. Et on verra la cote de chaque jeu. Et on fera l'addition de tous les jeux par où je passe là. C'est par là ? Je pense que c'est par là. Oh putain, c'est ici ? Est-ce que c'est ici que ça se passe ? Il est quand même dur ce jeu. Il est quand même dur, hein. Salut, t'es 41. Comment ça? Mais comment ça marche? Alors au fait, ouais. Alors du coup, est-ce que t'as compris cette Enza? Caméra, sans déconner. Mais t'es sérieux? Oh, la caméra, quoi. Je te mets sur la télé 4K avec du saucisson. Bon, là, tu es bien, là. Comment j'ai fait pour monter tout à l'heure? Oh là là, et ils étaient quand même... T'étais moins tenu par la mer à l'époque, hein. Je sais même pas où je dois aller. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Les mouvements de caméra sont horribles. Oui, je suis d'accord que ici c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah mais c'est moi qui les bouge les trucs. C'est une catastrophe les gars, c'est une catastrophe. Du sel, il est énervé. Il est énervé le WAM là. Oh mais on comprend rien. Putain de merde. Là, ça rigole plus, les soleils, ils te les donnent plus, là. De toute façon, je savais que j'allais galérer ici, là. Alors, pourquoi le 23, Docteur Nintendo ? Non mais là, je suis pas content, là. Là, je suis pas content, là, les gars. Je suis pas content.
Je vais me casser là aussi. Je vais me casser d'ici. Oh, ça commence à m'énerver. Oh, ça commence à m'énerver, ça commence à m'énerver là. Le problème, c'est que je sais pas où aller là. Je ne sais pas là. Oh putain, mais là je suis vraiment. Là je suis vraiment énervé là. Là j'ai les boules. J'ai les boules. Je vais mettre un coup de boule à la télé, là. La grande roue de la discorde. Est-ce qu'il faut monter derrière? Ils me le disent même pas. On voit juste un putain d'animal. Il est où, le putain d'animal? Mais ils disent rien. Et on l'a même pas vu, l'animal, là. Salut, Walibi 20, comment ça va? Au fait, toi Martin, il y a le jeu Peppa Pig qui est sorti sur Switch. Il a l'air d'être vachement nul. Écoute. Peppa Pig, j'en ai horreur. Et quand je dis horreur, le design me sort par les trous de nez. Alors imagine le game design. Ça va nickel, Walibi, je te remercie. Alors, chef Pubin 5 ans. En fait, ce qu'il nous dit pas, c'est que quand il réussit, c'est parce que Madame Wam prend la manette. Alors, ça serait extraordinaire. Bon, comment je peux faire pour monter là? Je vais essayer de trouver une technique, les gars. Il est donc là, lui. Est-ce que je peux le toucher? Non. Est-ce que je peux passer? Non, ça n'a pas marché. Une catastrophe. Une catastrophe, ces niveaux. Un ou deux, je crois. Juste pour savoir, t'as fait combien de soleil ce soir? Un ou deux, je crois que c'est deux, les gars. Oh, la catastrophe. Au camp, comme il a accéléré le truc là. Me dis pas que ça passait comme ça. Oh, ça passait comme ça. Ça passait comme ça, putain de merde. Ça passait comme ça, les gars. T'es sérieux que ça passait comme ça? Mais t'es sérieux que ça passait comme ça? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je sais même pas ce que je dois faire, bordel de merde. Il t'explique rien. Dire que je consomme de la 4G pour ce triste spectacle. Ah mais y a... Mais vous pouvez pas me dire qu'il y avait un... Il y avait un élastique dessous. Oh mais la caméra est immonde, les gars.
Oh putain, j'ai réussi à le dégager. Oh putain. J'ai cassé le jeu, les gars. Vous avez vu par où je suis passé? Et maintenant, je peux grimper sur les... Mais par où je passe? Par là, vous pensez? Du grand WAM, les gars, du grand WAM. Du grand WAM, une fois de plus! Sans déconner. Non, je préfère te voir galérer. Eh ouais, je vois ça. Est-ce que je peux grimper là-dessus? Je peux même pas grimper dessus. Mais comment tu fais, bordel? J'ai envoyé un pet sur le micro. Laisse tomber. Je sais même pas si c'était par là. J'ai évité le passage des grilles, là, en fait. Ah ouais, je galère. Ce soir, c'est une vraie galère. Autant le live de la semaine dernière, c'était du professional gaming... Mais là, c'est une vraie galère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain! Et cette caméra, sans déconner! Oh, cette caméra! Oh, j'ai réussi à monter ici. Mais comment tu fais, bordel? T'as de la chance que la honte a été dépensée. Il manque plus qu'un petit niveau bonus bien chiant et ce sera bon. Non mais attendez, non, elle, c'est ignoble. Comment tu fais pour monter sur ce putain de truc là-haut? J'ai l'impression que ça marche pas. On peut pas monter sur ces putains de... Oh putain, j'ai plus d'eau. Mais vous avez vu? Mais putain! Non mais là, c'est foutage de gueule, les gars. C'est foutage de gueule, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. C'est inadmissible. Bordel de merde, de merde, de merde, de merde. Et de merde. Rest in peace aux personnes qui étaient dans la grande roue. Par contre, elles doivent être remplies de cet... Putain, c'est pas une grande roue ça, mais une coupe de jambon, il a dit, T41. Je suis prêt à faire beaucoup pour te voir jouer à Peppa Pig. Carrément. Ah, oh, sans déconner. Bon, c'était pas par là que je suis passé tout à l'heure. Si, c'était par là. Un piètre live, les gars, ce soir. Un piètre live. Un piètre live des familles. Non, mais...
Non mais attendez, je le fais exprès ou quoi là? Je le fais exprès ou quoi, dites-moi? Dites-moi si je le fais exprès ou pas. Du coup, s'il faut bien monter sur, les nacelles. Oui, mais les nacelles, le problème, c'est que je suis obligé de monter dessus. Dedans, j'ai l'impression que ça passe pas. J'ai trouvé, les gars. Pas sur la nacelle qu'il faut monter. C'est ici. Et en plus, je vais bugger le jeu. Oh, saloperie. Oh, la saloperie, la saloperie, la saloperie. Putain. Monte sur les nacelles, moi. Mais j'ai pas monté sur... Je suis pas monté sur la nacelle. Je suis monté sur la structure. Merci pour le GG, chef Puma. Je suis monté sur la structure. Les gars, le WAM ne fait pas les choses comme les autres. Je ne monterai pas sur cette nacelle. Je vous l'ai dit. Je suis monté sur la structure de la roue. Parce que moi, je suis un WAMer. Et les WAMers, ça fait pas les choses comme les autres. Le secret du carrousel des Yoshi. Allons-y. Alors, le carrousel des Yoshi maintenant. Il est quand même spécial ce Sunshine. Il est quand même spécial ce Sunshine. Alors, le carrousel des Yoshi est là. Oh là, je peux le buter. Oh, c'est bien joué. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'abord, on va lui parler. Oh putain, je le sens mal encore, un Yoshi. Ah, j'ai abandonné tout à l'heure. Voici le carrousel des Yoshi. Tu as déjà entendu parler des Yoshi. Ils avaient l'habitude de parcourir librement cette île. Mais maintenant, il n'y en a plus aucun. Oh putain. On va rester comme ça, les gars. Pendant 3 heures. C'est un niveau bonus, sinon, après. C'est un niveau bonus, ça, sinon, après. Je ne sais pas. Alors, attends, c'est quoi le titre? Le secret du carrousel des Yoshi. Non, mais sans déconner. Alors, il est où ce secret, là? Est-ce qu'il faut aller dessus? Non. C'est quoi le secret, d'après vous? Les Yoshi naissent dans les œufs. Oui, dans des œufs comme ça. Très bien. Un œuf de Yoshi, maintenant que tu en parles, il me semble bien en avoir vu un quelque part. Oh putain, c'est la même chose que tout à l'heure. Oh putain, faut que je trouve un œuf. Ça aussi, c'est un carrousel. Un stream de 24 heures de Mario qui tourne dans un carrousel. D'ailleurs, il y aura un carrousel dans la mise à jour Animal Crossing. Ah, je savais pas. Le carrousel, j'étais pas au courant. Il est où cet œuf de merde? Il est là. Il demande quoi? La banane, c'est bien. La banane, je vais pouvoir la porter. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est une poire. «
Une poire. Il faut pas une poire, il faut une banane. Et où je vais la chier, bon, la banane, sans déconner. Un ananas, ici. Tiens. Par contre, il y a une pièce bleue, je vais pas la passer à côté. Hein. Pas déconner non plus. Hein. J'ai traduit tous les noms en anglais que j'ai pu voir dans les objets Nook Miles. Et j'y ai vu notamment un carrousel. D'accord. Mais je crois que je l'ai, le carrousel, non? Ah, la banane est là! J'ai trouvé la banane, les gars! Ok, j'ai trouvé la banane. Donc, du coup, je vais monter. Oh putain, faut pas se faire toucher, évidemment. J'espère que c'est moins compliqué que tout à l'heure. J'espère que le fruit ne va pas disparaître également. Alors, cette putain de banane. J'ai le Yoshi. Ah, carrément, il bouffe les trucs, lui. Hein. Ah, les oiseaux! Alors, si je me mets dans l'œuf. Alors, ils me disent que les Yoshi, ça n'existait plus. Voici le carrousel des Yoshi. J'ai déjà entendu parler des Yoshi, l'habitude de parcourir librement cette île, mais maintenant il n'y en a plus aucun. Il y en a un en face de toi, espèce de con, va. Les Yoshi naissent dans les œufs, d'accord. Est-ce que je peux y aller? Je peux même pas rentrer dedans. Je ne comprends rien, bordel de merde. Je ne comprends rien dans ce putain de jeu. Il me dit que les Yoshi naissent dans les œufs. Et pourquoi ils sautent comme ça? Mais je sais pas ce qu'il faut faire, bordel de merde! Je te jure, je vais regarder une soluce de merde. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Le secret du putain du carrousel. Putain, mais c'est tiré par les cheveux. Va sur la barre libre. Putain, je l'ai pas vu, la barre libre. Merci beaucoup. Où est la barre libre? Ah putain, oui, ici. Oh, mais le camp de Saraspodite. Mais putain de merde. Je suis en train de rire, c'est ridicule à force. Je ne l'avais pas vu, les gars. Je ne l'avais pas vu. Oh putain. Et c'est un niveau bonus. Merci beaucoup, Chef Puma, de l'aide. Je vois que Dr Nintendo m'aurait laissé pourrir dans un caniveau. Il m'aurait laissé pourrir dans un caniveau, bordel de merde. First try ou pas, les gars? First try. J'ose vous proposer un first try avant 23h30. Ça va, il me laisse 8 minutes. Il me laisse 8 minutes. Go, c'est parti. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh, ça sera pas le first try. Ça ne sera pas le first try.
Mais comment je vais faire là-bas au fond? Je m'en sors bien. Ah d'accord, ça se déplace. Très bien. Ça se déplace. Mais c'est pas possible! Mais y'a un temps de latence de merde! Y'a un temps de latence de merde, je vous dis, les gars! Je vous dis qu'il y a un putain de temps de latence de merde! Bordel de merde! Sans déconner! Le con de sa mère. Le con de sa mère. Le con. Le con de sa mère. Le con de sa mère. Et le game over en plus. Ah si si si, il marche très bien mon micro, il marche très bien. Il marche très bien mon micro. Il marche très très bien. C'est juste que je suis très très énervé ce soir. Très. Ah ben merci.
Je vais pas avoir ma prédiction. 23h30, on est mort là. 23h30, c'est mort, le temps de retourner au truc. Eh les gars, c'est le live de la décadence. Excusez-moi l'expression. Chef Puma, tu peux valider la prédiction? On a dit 23h30, non? Il me reste 3 minutes. 2 minutes, il me reste. Sans déconner, il faut que j'aille chercher la banane. Je reviens. Excusez-moi, je vais chercher une banane. Je savais bien qu'il ne fallait pas croire en toi. Non, mais là, j'avoue. Non, mais franchement, les gars. Tout... Il y a un temps de latence. Sur Super Mario Sunshine, le gameplay n'est pas pareil que tous les autres Mario. Sincèrement. Sincèrement, les gars. Je crois que tout le monde pourra vous le dire. Je suis vraiment désappointé là. Hein. Allez, mais une putain saute le coup de tarte. Merci bien. Oh putain, j'ai failli me faire toucher en plus. Non mais attendez, j'ai été chercher la banane, je suis même pas sûr qu'il veut une banane. Ah si, il veut une banane, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Parce que là, s'il voulait notre fruit, c'était le fail du fail du fail. Hein. Moi, les gars, j'aurais balancé des gifs fail à votre place. Hein. Je crois que Animal va te détendre. Oui, effectivement. Je pense qu'il va me détendre, Animal Crossing. Pff, sans déconner, quoi. La barre manquante, déjà. Vous avez vu, je suis passé tout à l'heure, et là, faut appuyer. Regarde le Yoshi orange. Non mais attends, a disparu du manège. Dis, monsieur, tu sais pas ce que ça veut dire? Aïe, parce qu'il me faut la bonne couleur en plus. Oh les bâtards. Il faut que je mange quoi? Comme fruit. Oh putain, mais en plus, il faut que je bouffe le bon fruit. Mais ils se foutent de ma gueule. Ça y est, j'ai l'orange. Oh, ils se foutent de ma gueule. Il fallait en plus la bonne couleur. Non, mais sans déconner. C'est un véritable scandale. Putain, mais il est pas compliqué en plus celui-là. C'est moi qui ai merdé. Hein. Wam, le slow runner. On a dit combien? 23h30. Ah. On avait dit 23h30, fin de la prédiction, du coup, les gars. Ah oui, bah attends, faut la respecter, hein. Prédiction, excusez-moi. Alors, avant 23h30, choisir la réponse, bah, la réponse est non. Putain, les gars. C'est vraiment la loose, là. Ce soir, c'est le live de la décadence.
Le live de la décadence. La dernière fois, c'était le live de la démesure. Et là, c'est le live de la décadence. Bordel de merde. Ah, j'en suis sûr qu'il y a moyen de sauter. Je sais pas pourquoi. Si je fais le plongeon en avant, je veux pas prendre de risques. Pas prendre de risques. Mais je vous jure que les gars, qu'il y a un temps de latence. Il y a un putain de temps de latence. Bordel de merde. Le gameplay n'est pas le même que les autres Mario. Mais ça, il faut y jouer pour s'en rendre compte. Je vous jure que c'est vrai. Tiens, on va faire le saut de chacal. Oh putain, ça a pas marché. Il fait pas la roulade. Il fait pas la roulade, ce con. Je trouve que c'est un live plutôt normal pour tes standards. Pour tes standards, il m'a dit. Sérieux? Non. Là, c'est pire que d'habitude, là. Mais bordel de merde, c'est pas possible. Il saute même pas droit. Il saute même pas droit, les gars. Je vous le dis sincèrement, il ne saute même pas droit. Je suis en train de perdre patience, là. Je suis en train de perdre patience, bordel de merde. Je suis en train de perdre patience. Est-ce qu'il y avait une vie ici? Hors de question que je fasse un game... Non, mais franchement, le gameplay, il a quelque chose de... Franchement, je vous conseille d'y jouer. Je vous conseille sincèrement d'y jouer et de me donner votre propre avis. Voilà, et on avait une vie ici, putain de merde. Je vous garantis que le gameplay de ce Mario n'est pas comme les autres. C'est fou parce que pour moi, le gameplay est même moins bon que Super Mario 64. Il y avait même une vie ici, j'avais pas vu. Oh putain, j'ai merdé là. Merdé sévère. Oh, j'ai merdé sévère. Oh, j'ai merdé sévère. Ah, carrément, un live plutôt normal, il me dit. Ici, donnez quoi? Une pièce, très bien. Oh là là. Après cette étoile, les gars, on fait un petit tour sur Animal Crossing, mais vraiment 5-10 minutes, histoire de voir... histoire de voir juste la l'évolution de l'île. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais le camp de Taras maudite. Le camp de Taras maudite. C'est pas possible. En plus,
plus, c'est fou parce que... Ça passait tout seul. Tout seul, ça passait, putain de merde. Oh là là, la catastrophe! Le live de la catastrophe! Alors attendez, avant, il faudrait que j'aille à Porto Rico vendre un peu les pièces bleues. Ça, ça fera un live à six soleils. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Merci pour le GG, chef Puma. J'espère que tu te foutes pas trop de ma gueule. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Il y a un soleil quelque part ici. Merci T41 pour le GG, ça me fait plaisir. Franchement, je pense que c'est le Mario le plus dur. Oh, attendez, il y a Yoshi qui veut un... À quoi ça sert de venir là? Attendez. Parce qu'il y a Yoshi là-bas. J'ai peut-être l'occasion d'avoir un soleil facile là. Il veut quoi? Il veut un ananas. Il veut un ananas. Et ici, il y a un ananas. On va lui ramener un ananas. Magnifique. Alors c'est où? Oui, c'est là. Je crois qu'il y a un truc à faire avec Yoshi ici. Un niveau bonus, certainement. Attendez, c'est carrément un nouveau niveau en fait. C'est carrément un nouveau monde. La tempête de la de Mega Manta. La plage Sirena. Mega Manta. Est-ce qu'il faut nettoyer? Retour de Splatoon, les gars. Retour de Splatoon. Je me suis engagé sur un truc là, je ne sais pas. Ah, le fameux boss. C'est-à-dire le fameux boss, attendez là. Il faut m'en dire plus. Il faut m'en dire plus, les gars, là. Vous êtes au courant d'un truc dont je ne suis pas au courant. Ah, la roue maudite est là-bas! Putain. Alors c'est quoi? Il faut que je les nettoie? Qu'est-ce qui se passe? Il
je sais pas quoi faire. Je t'en prie, dis-moi que mon cauchemar est terminé. Je suis sûr que tu es capable de m'aider. Écoute, tout a commencé vers midi quand cette fine silhouette en forme de remonta est apparue. Elle a surgi et a recouvert tout mon hôtel de cette substance électrique. Une substance, Docteur Nintendo. Une substance électrique, quelle horreur, mon bel hôtel. Elle a complètement disparu sous son bourbier. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Mon personnel est en train de nettoyer. Mais on en est où? On ne peut pas rester assis et espérer que... Ah, elle est de retour, au secours! Fallait juste discuter. D'accord. C'est donc un boss. Le boss de la Remanta. D'accord, elle est en train de tout me dégueulasser, là. J'ai tout nettoyé pour rien, en fait. Ah, ça me suit, en plus. Prends des dégâts ou pas, là? Elle prend des dégâts ou pas? Ah ouais, d'accord, elles deviennent toutes petites là maintenant. Il y en a de plus en plus, très bien. Oh là là, mais c'est quoi ce délire là? Il y en a 12 millions. Ok, on va faire la technique de la roulade. Oh là là, c'est impossible. Mais c'est impossible. Il me faut une pièce. Y a pas de pièce. Mais c'est impossible, les gars. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Oh, mais c'est impossible. Faut toutes les buter. Oh là là. Elles sont toutes après toi, fais attention. Pourquoi elles sont roses maintenant? Oh, elle est pas mal cette technique là. Elle est pas mal cette technique. Mais pas mal, j'ai trouvé une technique, les gars. Oh, une pièce, j'ai entendu une pièce. Putain, une pièce pour me faire toucher. Oh, je suis dans la merde. Mais putain de ta race maudite. C'est le moment de passer à autre chose, les gars. C'était le live de la décadence. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, le live de la décadence. J'ai rarement fait un live aussi dégueulasse. Il est temps de se détendre, messieurs. Il est temps de se détendre. Il est temps de se détendre.
chef puma qui est retourné sur son île, qui doit être plus poussiéreuse que le vagin d'une grand-mère de 100 ans décédée depuis 3 ans. Ça fait peur. Ta phrase fait extrêmement peur. Ta phrase fait extrêmement peur, monsieur Dr. Nintendo. Oui, venez visiter, venez. Venez, bien entendu. Alors, sachez que je n'ai rien fait. Hein. Je n'ai rien fait, mis à part mon quartier en haut, à gauche de l'île. De toute façon, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Il doit y avoir des cafards chez moi. Et je vais pouvoir récupérer le pommier. Non, c'était des poires. Ah oui, Halloween et les citrouilles, forcément. Les poires, je te les ramène. Merci bien. Il faut les poser devant la porte de Madame Wham. Elle m'a parlé, je l'ai même pas écouté tellement je suis éclaté au sol. Sans déconner. Déguisé en ninja, les gars. Donc il y a qu'ici, en fait. Il y a qu'ici que c'est chez moi. Tout le reste de l'île, je n'ai rien fait. Voilà. Ici, c'est chez moi. Ne touche à rien, par contre. Hein. Tchoum! Comment on fait pour inviter quelqu'un déjà? Je sais même plus comment on fait pour inviter quelqu'un. Faut aller à l'aéroport. Bien reçu. Effectivement, je suis un peu plus détendu là quand même. Hein. Recevoir des visiteurs. En ligne. Ah,
Alors, dis-moi, qui veux-tu inviter? Mes meilleurs amis, bien sûr. C'est ouvert, non? Je vais les recevoir. On va pas tarder à les trouver, je pense. C'est ouvert, non? Ah voilà, on dirait que quelqu'un est en route pour venir ici. Parfait. Ah ouais, d'accord, temps de chargement et tout quoi. Ça met du temps pour qu'il vienne le mec. Donc Bat, je crois que c'est Chef Puma, je crois, non? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? De sushi? Ah, je peux pas venir si tu me mets en meilleur ami. Normalement, tu peux changer ça. Comment ça? Baptiste, c'est Chef Puma alors, peut-être. Et tu peux pas venir si t'es en meilleur ami? En voyage, il y a marqué. D'accord, j'ai annulé la demande. Mais si, il a pu venir. Attends, je vais demander que tu viennes. Il a toujours un problème avec Docteur Nintendo. Non, tout va bien, c'est ouvert. Et je t'ai fait une demande de meilleur ami. Il y a une seconde, fallait juste l'accepter. Ouais, j'ai fait de proposer d'être meilleur ami. Ben oui, accepte la demande, c'est tout. Voilà, je t'ai envoyé la demande. Ah, c'est bien une tenue de sushi qu'il a. Donc c'est Chef Puma là. Ah ouais, la tenue de ouf. Merde, j'avais pas vu. Mais c'est dommage que tu peux pas faire énormément de trucs en ligne. Hein. C'est vraiment dommage sur ce jeu. Hein. Ah ouais, d'accord. Un déguisement d'anonyme. Ah oui, la tenue d'Harry Potter, effectivement. J'ai le meilleur titre, je m'en fous. Ah, ça y est. Alors tout d'abord, tu vas venir déposer tes poires devant la maison de Madame Wam. C'est ça qu'on va faire en premier, Docteur Nintendo.
Putain, mais le temps de chargement, il est long quand même. Hein. C'est déconné, hein. Elle a la classe. Et en plus, il a le pantalon de Bibendum Michelin. Alors, en fait, c'est le temps que l'on fasse la vue du dessus de ta ville. Ah, d'accord. Alors, on attend Monsieur Chef Puma. Voilà, parfait. Alors, si vous avez les poires, je vais vous demander de me suivre, messieurs. Merci. Si vous avez des cadeaux, vous allez les mettre devant la maison de Madame Wham, si j'arrive à la trouver. Après, je vous laisse visiter. Il y a eu du boulot quand même, hein. Ici, c'est un genre de café. La classe, hein. Alors franchement, Madame Wham, elle a fait un boulot de fou. Ah, c'est ici. Ah oui, la décoration d'Halloween. Pour la maison de Madame Wham. Alors, si vous voulez déposer les poires, c'est ici. Oh, minuit passé! Je suis désolé, les gars. Minuit passé. Ah, non, j'avais carrément oublié. Ah, je suis désolé, les gars. C'est le live de la décadence ce soir. Je vous avais prévenu. Ah, minuit. Minuit, les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. C'est un live, je m'en souviendrai, je vous le dis. Alors là, clairement, c'est un live dont je me souviendrai. Une horreur. Une horreur. Rien n'a marché ce soir. Rien n'a marché. Ce soir, on avait le diable à nos trousses. Malchance man ce soir, les gars. En tout cas, on va se laisser ici. Merci beaucoup Chef Puma, merci beaucoup Dr Nintendo, merci beaucoup à T41 aussi qui est passé. Merci, un grand merci Dr Nintendo pour ta donation, une grosse donation ce soir. La grosse donation du soir, il a dit Dr Nintendo. Un grand merci à toi. Je vous donne rendez-vous peut-être demain pour un nouveau live. Minecraft le soir certainement. Un grand merci à vous. Un grand merci Dr Nintendo. C'est une bonne soirée, je suis exténué. Je suis exténué. Passez une bonne nuit, merci beaucoup. On reviendra sur Animal Crossing de toute façon, quand je joue à Mario, le jeu est dans la console, donc j'ai même pas besoin de mettre le disque, c'est un jeu téléchargé. Un jeu téléchargé, d'ailleurs offert par T41, c'est T41 qui m'a offert ce jeu, donc je remercie également. On n'est même pas Halloween, que tes lives sont déjà horribles. Effectivement, là, Dr Nintendo, franchement, on est vraiment dans la galère, là. Un grand merci. Je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture, et à jamais dans le tramway. Nous reviendrons sur Animal Crossing, ne vous inquiétez pas. Thank you.
Ah, le live du fail, effectivement.